partie des masques ont été distribués cette semaine. Pour rappel, WAM, Calnel et Ouyer, selon la quantité que nous avons reçue. Nous sommes ce jour dans l'attente de la nouvelle livraison qui devrait se faire incessamment sous peu pour que nous puissions livrer ces masques dans le courant de la semaine prochaine dans vos boîtes aux lettres. Alors le Récipark, vous savez qu'ils sont maintenant ouverts depuis quelques semaines. Ça a d'abord été limitatif, donc tous les déchets ne pouvaient pas être apportés. C'est le cas maintenant, vous pouvez amener tous vos déchets. Et il y avait aussi la condition de prendre rendez-vous. Celle-ci, maintenant, ne doit plus se faire. Ce n'est plus une condition. Vous pouvez effectivement aller la semaine et le samedi déposer tous vos déchets. Cependant, attention, il y a la mesure de distanciation qui doivent être respectées et vous devrez vous munir de votre masque et de vos propres outils puisqu'il n'y aura pas d'aide fournie pour enlever vos déchets de votre véhicule ou de votre remorque pour les mettre dans le conteneur. La commune a mis en place une mesure et une première visioconférence avant l'ouverture de certains commerces pour avoir leurs différentes problématiques et d'essayer de trouver des solutions. Une deuxième visioconférence est programmée puisque maintenant, quasi l'ensemble ou une bonne partie des commerçants sont ouverts. Cette visioconférence se déroulera mardi à 19h et réservée exclusivement aux commerçants. Pour ce faire, pour vous envoyer le lien, il vous suffit simplement d'envoyer un mail à question.bourgmestre@perruet.be pour que nous puissions vous envoyer un lien pour assister à cette conférence et évidemment apporter des solutions, soumettre vos problèmes pour qu'ensemble nous puissions y remédier. Mais tout d'abord, j'espère que ces 11 numéros vous ont apporté des solutions, de l'information. C'est en tout cas pour ça que ça avait été conçu. Nous continuerons, mais simplement sur base des informations que le gouvernement, à travers son Conseil national de sécurité, prendra. Et donc, dans la semaine qui suivra ce conseil, une information vidéo vous sera présentée. Il est de toute évidence pour nous important de connaître vos questions, de trouver des solutions et de continuer à veiller sur vous.